Merci, la physique. Un petit trait de grenadine. Ah, les vacances. Chine. Allez, Chine. Tu sais qu'à la piscine hier, Florentin m'a montré quelque chose d'épatant. À la piscine? Il m'a dit, viens maman, je vais faire de la physique. Il était les sous l'eau. J'ai réussi à faire un truc chaud là. Regarde, je sais m'asseoir au fond de la piscine. Qu'est-ce que tu sais faire? Ah non, moi je sais pas faire ça, je vois voilà. C'est de la physique. Ah bah toi aussi tu fais de la physique pendant les vacances. Comme et ton oui. Père. Oh non. Allez. En fait, je t'avoue, j'ai pas trouvé ça hyper épatant ce qu'il a fait. Il est juste resté en bas. Bah, rester en bas, oui. Quand tu vas dans la piscine, en général, tu flottes. Oui. Tu fais la planche. Oui. Tu flottes, tu vas pas au fond. Non. Et si tu essaies de t'asseoir au fond, tu vas remonter. La poussée d'Archimède, bien sûr. Exactement, mais la poussée d'Archimède. Tout corps plongé dans un liquide reçoit de celui-ci une force vers le haut égale au poids du fluide déplacé. Le fluide déplacé, t'imagines, t'es dans une baignoire, tu rentres dans la baignoire, une baignoire qui a... Tout déborde. Voilà, c'est toute l'eau qui déborde, c'est l'eau déplacée. Ouais. Voilà. Et donc, plus le volume est grand, plus la poussée d'Archimède est importante. D'accord. Alors, notre corps, nous, qu'est-ce qu'il y a à supporter? Il y a les muscles, c'est plus dense que l'eau, ça va au fond. Il y a les os, c'est vraiment plus dense que l'eau, ça va au fond. Il y a la graisse. Bon, on n'en parle pas de la graisse. La graisse, ça flotte un peu. Ah, oui. Mais en tout cas, globalement, si on regarde toutes les parties solides de notre corps, c'est plus dense que l'eau, ça doit tomber. Mais on a les poumons qui sont pleins d'air. Et donc, quand on remplit nos poumons, on a un volume total qui est suffisamment grand pour que la poussée d'Archimède soit plus grande que le poids quand on est au fond de l'eau. Et ça nous fait remonter. D'accord. Et donc, ce qu'on peut faire... Alors, le poids, bon, pour le changer... Si on savait comment... Hein, voilà, si on savait, aller. Voilà. Bon, donc, okay. Plutôt que de changer le poids, ce qu'on peut, c'est réduire la poussée d'Archimède. Et comment, alors? Eh ben, faut réduire son volume, donc oui. Souffler l'air. Donc, on commence, on est dehors, on se met en boule? Ouais. On aspire? Ben non. D'abord, on aspire avant de se mettre en boule. Ah, on prend sa respiration. Hérisson? On se met en boule. On se laisse, on voit qu'on est près de la surface. Ouais. On souffle lentement. Peut-être qu'on descend un tout petit peu, mais on reste toujours près de la surface. Ouais. Dès que la poussée d'Archimède devient plus petite que le poids, ouais. Paf, on se met à couler au fond. D'accord. Et ça vaut vraiment le coup d'essayer cette sensation, de sentir... Alors, quand il y a beaucoup de fond, on peut même le faire debout. On se met tout droit, on reste droit, puis on souffle, et puis on voit qu'on petit à petit, ça descend. Puis tout d'un coup, quand l'eau elle arrive au niveau des cheveux, hop, on finit à couler. Voilà. Ah bah. Et donc, pour s'asseoir au fond, ouais. Il suffit de vider ses poumons suffisamment. Et là, on est suffisamment dense. La poussée d'Archimède n'est pas suffisante et on peut rester assis. Ah, c'est hyper sympa à faire, en fait. Voilà, super. Et bah, hein? Que tout le monde le fasse. Voilà, hein? Que tout le monde le fasse. Vive Archimède. Vive Archimède, puis, vive les vacances. Vive les vacances. Et merci la physique. Non, j'ai pas dit merci Jean-Michel. J'y tiens. Ah bon. Alors, merci Archimède. Merci Jean-Michel. Et ben, merci la physique.